L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dont les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent dans le même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message imminent, du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est préparée avec tout le soin et spécialement pour vous et pour toute votre famille. Je veux vous rappeler maintenant, surtout vous qui nous assistez par la télévision, que ce programme et beaucoup d'autres contenus peuvent être regardés à travers le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube. Accédez à notre canal, likez et partagez les contenus qui sont importants pour votre vie et pour votre famille. Et dans le volet leçon du matin d'aujourd'hui, avec le pasteur Daniel Morel et Serge Souza, nous allons parler sur la parabole des noces. Vous allez connaître les aspects historiques, mais principalement le contenu prophétique de ce texte biblique. Juste après, dans le volet accessibilité, la docteure Marie Amine va nous parler sur les abordages pour l'aide aux enfants avec des problèmes d'apprentissage. Dans le volet Parfaite Louange, la sœur Tia Figueras va présenter la louange quand je prie au Seigneur. Et dans l'étude pour les enfants et adolescents, la professeure Andrea Canale, dans l'étude de la parabole des noces, va parler sur l'importance de l'invitation. Nous allons entendre une louange et après le volet du manège. Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece. Este mundo não sabe o que é ser feliz. Eu também não sabia, mas Jesus um dia me encontrou. Jesus buscou-me com seus braços de Jesus.
você já está participando do quadro Lições do Manaim. E eu já recebo aqui comigo no nosso estúdio os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza. Daniel, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Josias, paz do Senhor. Sérgio, paz do Senhor. E a partir do matinal, vou participer déjà de voler Lições de Manaim. Et je reçois déjà ici avec moi dans notre studio les pasteurs Daniel Moreira et Sérgio Souza. Daniel, la paix du Seigneur, soyez bienvenus. Josias, la paix du Seigneur. Sérgio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Merci, la paix du Seigneur à tous. Très bien. Nous allons, avant de traiter le sujet d'aujourd'hui dans voler les leçons du Manaim avec les pasteurs Daniel Moreira et Sérgio Souza, nous allons assister ou voir ici un commentaire qui a été envoyé. Il a été envoyé de São Paulo, capitale. Nous allons lire le commentaire qui a été envoyé par Elisângela Capre, de São Paulo. Daniel, vous pouvez nous lire ce commentaire, cette participation de la sœur Elisângela. La promotion de la notion de l'Évangile éternel est très importante pour moi, car j'ai un problème de dyslexie et c'est un complément de grande aide pour que je puisse étudier les questions de l'EBD. Donc, des salutations fraternelles à notre sœur Elisângela. C'est un plaisir de recevoir votre participation. Vous pouvez voir déjà à l'écran QR Code. Vous pouvez participer de la programmation. Ouvrez l'appareil photo de votre smartphone. Pointez vers ce code. Vous allez être dirigé vers le numéro WhatsApp. Vous pouvez envoyer votre participation, ce que vous pensez de la programmation, les commentaires sur le sujet qui est traité. Cela fait partie de la programmation, toutes ces participations qui sont envoyées pour le programme. Daniel, nous avons reçu cette semaine une grande quantité de participations. Je veux remercier à toutes les personnes qui nous ont envoyé. Nous n'avons pas le temps de montrer tout ici, mais ces commentaires sont très importants pour nous à propos de la thématique. Votre participation, en parlant sur l'importance de la programmation pour vous, et tous ces commentaires sont lus, sont catalogués et font partie du contenu du programme. Très bien, nous allons commencer maintenant avec la thématique que nous allons aborder maintenant. Que les frères vont apporter ici quelques informations à vous qui nous assistent sur cette thématique qui porte sur le thème la parabole des noces. Avant d'entrer proprement dit dans le texte, il y a un aspect prophétique, Sergio, de cette parabole associée à ce monde que nous vivons aujourd'hui. Vous pouvez nous faire une petite introduction, pas seulement liée au monde, mais aussi au moment prophétique que nous vivons. Parce qu'il est clair que nous avons beaucoup de besoins, y compris dans la vie, dans les aspects éthiques, moraux, la culture, la connaissance, tout cela est très important. Mais par-dessus tout, on met l'évidence sur le fait de comprendre le moment prophétique que l'Église, qui en vérité le monde comme un tout, il vit. Pour l'Église, il y a une importance à part, donc additionnelle, une fois qu'elle attend dans ce moment le retour du Seigneur Jésus, l'enlèvement, et elle attend prête pour monter avec le Seigneur. Daniel, ce que Sergio nous a dit, je trouve très important cela, et les personnes qui nous regardent doivent avoir cette conscience. Notre message, le message principal de l'Église chrétienne Maranatha, est lié à un moment critique, à l'accomplissement de la prophétie qui est le retour du Seigneur Jésus. Donc, nous traitons ici les textes bibliques le long des derniers programmes qui nous alerte vers cela. Donc, Sergio nous a dit, pas seulement le monde que nous vivons, mais le monde que l'Église vit aujourd'hui. Quel abordage vous pouvez faire, même d'alerte, pour les personnes qui nous regardent? Nous avons une mission, nous pouvons dire, n'est-ce pas? Le nom, la dénomination Maranatha signifie « Le Seigneur Jésus vient ». Donc, le message que l'Église a pour ce moment, c'est annoncer au monde que Jésus est aux portes. Alors, chaque parabole qui a été abordée jusqu'à présent contient des instructions par rapport au salut,
contient des avertissements, des signes qui pointent vers ce moment prophétique que nous vivons, appelé moment de la parole. Donc, le mot utilisé en Apocalypse, c'est le bientôt. Donc, c'est un langage prophétique qui montre le temps que l'Église allait vivre, qu'elle allait précéder le retour du Seigneur Jésus. Tel comme le Seigneur Jésus a dit, voici, bientôt je viens, n'est-ce pas? Et voici que bientôt je viens. Bientôt je viens. Et donc, c'est dans cette période, l'avertissement que vous venez de dire, Daniel, parce que d'un côté, l'Église, elle attend de certaine manière, elle a un désir grandiose pour le retour du Seigneur Jésus, pour l'enlèvement. Mais de l'autre côté, c'est lui qui n'est pas prêt, c'est lui qui n'est pas en train de vivre en communion avec l'Église et le Saint-Esprit. Donc, il doit savoir que quand Jésus reviendra, ce n'est pas seulement l'Église qui va monter, le Saint-Esprit va monter aussi. La parabole porte un détail sur cela. C'est la fin de l'opportunité de salut pour le monde. Amen. Donc, regardez bien que ce qui est abordé ici, c'est un avertissement. D'ailleurs, la Bible, elle est claire dans des divers textes qu'il est nécessaire d'être prêt. Parce que celui qui est prêt en ce moment, nous allons aborder un peu plus sur cela, il a un résultat dans la vie éternelle. Et celui qui n'est pas prêt, il a un autre résultat de son expérience de vie éternelle. Très bien. Donc, nous allons maintenant voir un texte qui est basé, donc qui va aborder ce sujet de la Bible qui concerne les noces du Fils. Se trouve en Matthieu chapitre 22, verset 2. C'est où commence, où le Seigneur Jésus commence à parler sur la parabole des noces. Il nous dit, le royaume des cieux est semblable à un certain roi qui a célébré les noces de son fils. Daniel, donc en lisant ce texte, nous arrivons à identifier que dans ce moment prophétique, il y a deux personnages, le roi et son fils. Comment on peut faire cette application à ce moment de l'Église? Le Seigneur Jésus, il est en train de faire une comparaison. Le royaume des cieux est semblable à un certain roi qui a célébré les noces, c'est-à-dire le mariage. Les noces font référence à la fête du mariage. Juste cette introduction ici porte un aspect prophétique sur certains rois, pointe vers Dieu le Père et son fils qui pointe vers le Seigneur Jésus. Donc, il y a une fête déjà prête pour le mariage, qui est le mariage du Seigneur Jésus comme l'Église fidèle. Sergio, juste pour complémenter ici, cette fête, cette célébration, elle n'est pas commencée maintenant. Bien sûr que quand le Seigneur Jésus reviendra, mais déjà, dans la résurrection du Seigneur Jésus, il a versé son sang à la croix au troisième jour et il a ressuscité. À ce moment-là, donc commence cette célébration. Pourquoi? Parce qu'avec la mort et résurrection du Seigneur Jésus, la porte du salut s'est ouverte. Celui qui accepte Jésus comme sauveur, son nom est écrit au livre de la vie. La Bible dit qu'il a en fait devant les anges de Dieu pour un pécheur qui se répand. Donc, la fête a commencé le jour de Pentecôte, donc le jour du versement du Saint-Esprit, il demeure le long des siècles. Le culte, c'est la fête, c'est les cultes, les séminaires, les écoles bibliques dominicales. Le salut, c'est une grande fête spirituelle, n'est-ce pas? Donc, sans doute, la joie du salut, c'est une joie qui est irremplaçable. On n'arrive pas à exprimer de manière rationnelle. Cela dépend des circonstances de la vie. Maintenant, nous allons comprendre un peu plus, parce que quand on parle de noces, de fêtes, naturellement, que nous ici, au Brésil,
la culture occidentale a une caractéristique de la fête du mariage très appropriée à notre réalité. Mais ici, quand le Seigneur Jésus il parle sur les noces, il parle sur une fête de mariage, il se référait à la réalité de cette époque. Donc, nous allons appeler ici notre frère, le pasteur Alex Moore, du gouverneur Valadares, qui compose le groupe Science et Foi. Comme nous avons déjà dit, c'est un groupe qui travaille de recherche dans le domaine de la science, de l'histoire. Il va nous parler un petit peu sur quelle est la réalité de cette fête de mariage, la fête de mariage, le temps du Seigneur Jésus, sur l'aspect historique. Nous allons assister le pasteur Alex et après on revient pour commenter. Nous voulons saluer à tous, on appelle le Seigneur Jésus, saluer le pasteur Sergio, le pasteur Daniel, le pasteur Josias, en disant que c'est une joie d'être là à nouveau, en participant de la programmation, en annonçant l'évangile éternel. Nous allons, comme le groupe de Science et Foi, apporter une contribution ici à propos de l'étude qui est faite cette semaine à l'école biblique dominicale. Le texte Matthieu 22, verset 2, qui dit « Le royaume des cieux est semblable à un certain roi qui a célébré les noces de son fils. » Matthieu 22, verset 2, comme on a dit. Nous voulons dire, juste contribuer avec quelques aspects historiques, quelques coutumes de cette époque liées à la période des fiançailles et du mariage. Donc, il est important de savoir ici, nos bien-aimés qui nous regardent, que le choix, généralement, était fait pour le père du fiancé. Le père du fiancé faisait le choix de celle qui serait l'épouse de son fils. C'était lui qui faisait le choix. Il faisait le choix à cause de sa sagesse, de sa compréhension. Et c'est intéressant que quand ce choix était fait, il s'adressait à la maison de la famille, de la fiancée. Et il présentait une espèce de contrat qui disait comment cette période du fiançailles jusqu'au mariage devrait se faire. Tous les bénéfices que la fiancée allait avoir, tous les devoirs, tout était écrit dans ce contrat. Aussi, un prix était établi. Quand le mariage se passait, les gens savaient déjà. Un haut prix a été payé afin que la fiancée soit avec le fiancé. Donc, afin que l'époux soit à côté de l'épouse. Donc, un haut prix était payé. Il est intéressant que la fiancée, elle avait aussi le libre arbitre de dire oui ou non. Elle pouvait s'exprimer. Elle pouvait ne pas vouloir ce mariage. Ou elle pouvait dire oui, je veux me marier. Donc, elle avait aussi cette liberté. Il est intéressant que il y a quelques descriptions historiques qui disent que après la réponse positive de la fiancée, le fiancé se mettait debout devant les personnes qui étaient là. Il faisait un petit discours, un court discours, et ces mots, elle avait l'objectif de réjouir le cœur de la fiancée et donc de montrer sa sincérité concernant ce moment. Et dans ce discours, il disait qu'il allait revenir vers la maison de son père pour construire la résidence où les deux allaient habiter. Donc, il avait une promesse. Donc, je vais préparer une place et quand tout sera prêt, je vais revenir pour te chercher. Donc, cela était très intéressant. Pendant cette période, la fiancée, elle avait quelques règles. Elle devait préparer donc ses affaires, elle devrait garder sa lampe prête, allumée, toujours en attendant, parce qu'il n'avait pas une date donc définie de son retour. Donc, elle devrait être prête tous les jours pour le retour du fiancé. C'est intéressant que si c'est arrivé, soit pendant la nuit, la lampe devait être allumée. Il avait la préoccupation du fiancé. Il envoyait quelqu'un de confiance, son ami, l'ami le plus proche, l'ami du fiancé, pour dire,
Voici l'époux. Donc, il arrive. Donc, il avait toutes ces questions qui étaient très intéressantes. Intéressant que toujours l'arrivée de l'époux pour le mariage concernait une certaine surprise au moment. Il avait toute une question comme c'était une mise en scène afin que le moment où le fiancé arrive, qu'il puisse prendre pour soi la fiancée et l'amener vers la nouvelle maison père. Donc cela est très intéressant et nous laissons cette contribution ici de groupe Science et Foi. Nous passons la parole aux frères et sœurs qui sont dans le studio pour faire une application prophétique de ce qui nous pointons ici dans cette participation. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Alex, pour votre participation. Il y a beaucoup de choses intéressantes que nous pouvons parler ici maintenant. C'est très profond, n'est-ce pas? Et donc, il commence par parler du choix de la fiancée. Nous avons tout le processus à travers lequel on vivait l'expérience du mariage. Maintenant, je vous passe la parole. Comment nous pouvons faire l'application de ce que le pasteur Alex a dit? Je vais commencer après à vous continuer, Daniel, parce que c'est très intéressant ce qui attire notre attention de cette recherche. C'est que celui qui choisissait la fiancée était le père du fiancé. Donc le père disait, mon fils, voici donc la personne la plus adaptée pour devenir votre femme. Donc en vérité, cela est un parallèle prophétique de ce que Dieu a fait. Il a envié son fils Jésus et lui, dans son acte de processus de salut, Dieu a élu, choisi l'homme. Mais de la même manière, quand elle se voyait devant ce choix, donc elle a été désignée, elle devrait prendre une décision. J'accepte ou je n'accepte pas. Donc, ce fiancé est comme ce jeune homme comme mon fiancé. Que c'est la décision que l'homme doit prendre tous les jours. Tous les jours, je dois comparaître devant Dieu par la foi en Jésus, par l'action du Saint-Esprit, et affirmer à nouveau que ce que j'ai fait derrière les jours passés ou des années à passer continue vivant dans mon cœur, que j'accepte cet engagement, ce pacte de la nouvelle naissance du salut en Jésus. C'est très beau, n'est-ce pas? Très prophétique cet aspect historique que le pasteur Alex a dit. Parce que quand l'alliance était établie, quand la fiancée disait oui, donc un prix était payé. Donc un prix était payé, le père du fiancé payait. Ce prix que le père a payé afin que l'Église soit la fiancée de son fils, il a payé en donnant tout l'amour qu'il avait, qui était le Seigneur Jésus, son fils unique. Donc le salut, ce n'est pas d'accepter une religion. Le salut, c'est d'accepter l'amour de Dieu, accepter l'amour de Dieu à travers Jésus, qui est le fiancé. Et pas de citer avec des mots seulement, mais avec la vie. Parce qu'à partir de là, il y avait un engagement. Donc la fiancée, il partait, il quittait la maison de la fiancée, comme il a expliqué. Personne ne savait le jour ni l'heure du mariage. Le fiancé, le père du fiancé, qui donnait l'ordre. À partir de ce jour, la fiancée devait être prête pour l'arrivée du fiancé à n'importe quel moment. Telle comme l'Église fidèle, elle est prête. L'Église ne va pas se préparer. Elle doit être prête pour le grand jour du Seigneur, qui est le retour de Jésus. Un autre détail important, prophétique, c'est lui qui allait aviser, donc annoncer que l'heure du mariage allait arriver, c'était l'ami du fiancé. Qui est cette figure prophétique, Sergio, qui est l'ami du fiancé? C'est le Saint-Esprit. Et comment il annonce? Il annonce par son action, par la manifestation de l'Église, en baptisant le Saint-Esprit,
en testifiant dans le cœur, en convainquant l'homme. Gloire à Dieu. Donc nous avons ici, d'abord, de ce que vous venez de dire, vous avez le Père, que chez lui, c'est lui qui choisit, c'est lui qui prépare le roi, celui qui donne la démonstration. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai nommé. C'est extraordinaire. Exactement. Donc nous avons le Fils, qui est celui qui a donné sa vie, c'est lui qui a payé le prix avec sa vie. Le Père, il donne, le prix est payé. Et il soumet qui est le fiancé. Et vous avez le Saint-Esprit qui est l'ami du fiancé. En détail, quand la fiancée acceptait l'accord, elle acceptait l'alliance du mariage, elle recevrait des cadeaux du fiancé. Ces cadeaux identifiaient pour tous de l'extérieur qu'elle était fiancée, engagée. Quels étaient les cadeaux que l'Église a aujourd'hui? Elle est adornée avec le Saint-Esprit. Elle est adornée avec le baptême du Saint-Esprit. Il cherche la sanctification, elle est avec la parole révélée, avec la louange, le culte, exactement. Donc c'est très beau l'aspect prophétique. Et la parole enregistre ici quelques histoires, des moments comme celui-là que le pasteur vient de dire. Et parmi ces éléments-là, le mariage d'Isaac et de Rebecca, dans le livre de la Genèse, vous qui nous assistez, si vous souhaitez aller lire, vous allez confirmer que chacun de ces aspects qui ont été mis ici se trouve dans ce passage. Mais allons-y, on va continuer parce que la parabole, elle se complète pas seulement de l'explication du mariage, de la préparation, ce que nous avons déjà traité ici, mais aussi des réactions des invités pour participer. Donc d'abord, nous allons voir ici parce qu'il y a eu trois manger à l'invitation. Le premier, nous allons lire en Matthieu chapitre 22, verset 3, qui dit « Il a envoyé ses serviteurs appeler les invités pour les noces. Et ceux-là, ils n'ont pas voulu venir. » Donc, il y a deux actions ici. Aux serviteurs qui ont posé l'invitation et le rejet à cette invitation. Sergio, vous pouvez dire quelque chose? Les serviteurs qui sont allés, nous avons déjà dit, c'est la figure du Saint-Esprit, c'est l'invitation. Maintenant, ceux qui n'ont pas voulu venir, c'est le libre arbitre de l'homme. L'homme, il décide, il veut ou non la bénédiction. Maintenant, et nous laissons toujours le mot, l'investissement, rester dehors de cette fête, la plus grande fête que quelqu'un peut vivre, non, ne restez pas dehors de cette bénédiction. Comme vous avez dit, le libre arbitre, on voit dans ce texte, il y a une invitation, il y a un avertissement, il y a une explication, il y a un moment, des avertissements, des signes, mais l'homme, il accepte ou il rejette. Donc, allons voir la deuxième qui se trouve au verset 5, chapitre 22, qui dit « Mais eux, ils n'ont pas fait aucun cas, ils sont allés un vers son champ, l'autre vers son affaire. » Daniel, comment vous pouvez nous expliquer ce deuxième moment ici? Donc, un est allé vers le champ de son intérêt, l'autre est allé vers ses affaires personnelles. Donc, chacun a refusé en visant à attendre ses propres intérêts. Dieu n'oblige l'homme à rien. Dieu a fait déjà preuve de son amour. La fête est prête. Mais l'homme, il a le libre arbitre d'accepter. Donc, qu'est-ce qui l'intéresse le plus? Ce qui l'intéresse le plus, c'est son cœur. C'est cette vie ou la vie éternelle? Donc, passons à la troisième situation. Regardez que ici, nous parlons de moments différents, trois moments différents où il y a eu le rejet à l'invitation. Au verset 6, on lit. Et les autres, en prenant les serviteurs, l'ont tué. C'est quoi ce refus-là? Des fois, quelqu'un pense, ah, je ne veux plus savoir d'aller au culte.
je ne veux pas aller à l'église. En vérité, le rejet, c'est Dieu, c'est au Saint-Esprit, c'est la mort de la foi en Jésus. C'est d'échanger l'éternel, le prophétique, le spirituel, la bénédiction qui est permanente pour des choses de cette vie. Et c'est quoi ici le porter atteinte et le tuer? C'est son ego, le soi-même, la religiosité, son péché. Je veux faire ce qui est dans ma tête. Parce que l'homme est en train de dire, c'est que l'homme est en train de dire, et là, il laisse d'être gouverné par le Saint-Esprit. Très bien, nous avons compris que dans cette manière, ou dans cette culture de mariage, les noces précédaient le mariage. C'était une fête liée au mariage, était associée au mariage, mais les noces, elles précédaient le moment du mariage, comme on dit. Et pour cela, nous comprenons que nous vivons déjà cette fête dirigée par le Saint-Esprit. Au chapitre 22, verset 11, il y a un détail. Et notre temps est déjà très avancé, mais nous pouvons parler un peu sur ça. Il dit, et le roi, en entrant pour voir les invités, a vu un homme qui ne portait pas les habits nuptiales. Daniel, qu'est-ce que cela signifie? Dans ce temps, le père du fiancé donnait les habits qui étaient les habits nuptiales pour les invités. On ne pouvait pas aller avec habillé n'importe comment. Donc, de telle manière que quand vous passez dans donc les gens passaient dans la rue, on savait déjà, ah, il va au mariage. Donc, ces habits nuptiales parlent des habits du salut. Donc, Dieu, le Saint-Esprit, il voit toutes choses. Il connaît mon cœur, votre cœur. Il sait celui qui est fidèle, qui est infidèle. Pour participer de cette fête, il ne suffit pas d'avoir une religion, mais nécessaire d'avoir les habits du salut. C'est l'action du Saint-Esprit qui peut être vue, la liaison de l'homme avec l'éternité, l'expérience du salut. Il y a quelque chose de différent dans la vie de celui qui, en effet, accepte l'invitation et participe de cette fête. Cela est merveilleux. Comme nous avons dit, notre temps est déjà très avancé, mais je voulais passer la parole au pasteur Daniel, que vous puissiez parler, dire à cette personne qui nous entend, nous écoute, quel message reste pour celui qui nous entend. Regardez bien. L'homme, il a besoin de prendre une décision. L'invitation est posée. La fête est prête. Je pose la question. Vous avez déjà pensé, vous vous êtes déjà préparé pour le jour de votre départ? Qu'est-ce que se trouve dans votre pensée par rapport à cela? La parole de Dieu dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Jésus va revenir pour chercher son Église, pour commémorer cette grande fête dans l'éternité. Le Seigneur veut que vous soyez participants. Pensez à cela. Méditez sur cela. Car il est important, nous sommes en train de vivre. Mais, très bien. Nous allons maintenant lire une participation qui a été envoyée de Daniel Ribeiro de Foz Paraná. C'est un jour, vous pouvez nous lire. Donc, cette participation conclut ce qu'on a dit. Il a écrit, l'homme sans les habits nuptiales, comme décrit en Matthieu 22, 11, représente une église infidèle qui pense être prête pour les noces, mais en réalité, elle n'a pas les habits adéquats, c'est-à-dire, elle n'a pas les habits de salut. Amen. Nous arrivons à la fin de ce volet, mais je veux vous passer ici la question que nous allons poser. Il y a le QR code que vous pouvez pointer à l'appareil photo de votre smartphone et répondre à cette question afin que vous puissiez participer dans la construction du prochain forum. Et la question est la suivante. L'enseignement prophétique prêché par le Seigneur Jésus parle sur le début de douleur qui est enregistré en Marc chapitre 13, verset 1 à verset 37. Commentez l'aspect prophétique de ce passage biblique avec mettant l'accent sur les alertes
et le besoin de vigilance. Donc, vous voyez à l'écran, afin que vous puissiez assister, participer. Je dis encore, nous recevons beaucoup de commentaires, participation, nous sommes très joyeux. Et votre participation nous aide à faire, à construire cette programmation, leçon du Manaïm. Daniel, merci beaucoup. La paix du Seigneur Jésus à tous. Sajour, soyez toujours bienvenus. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur à tous. Très bien. Maintenant, nous allons assister au volet accessibilité dans la séquence. La docteure Marie-Amine, qui va présenter ce volet, va nous parler sur les abordages, sur les enseignements aux enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. Assister au volet accessibilité. La paix du Seigneur, mes frères. En continuant notre sujet d'accessibilité, nous sommes en train de traiter dans le dernier programme de ce groupe qui n'a aucune déficience, mais qui a besoin d'une aide pour l'accessibilité. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes d'apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est quoi? Nous prenons les informations avec tous nos sens, et à partir du moment où nous prenons l'information, nous processons l'information, nous consolidons qu'il y a la mémoire, et après, je dois faire pour compléter le cycle de l'apprentissage, je dois récupérer toute cette information et l'appliquer dans mon jour, de tous les jours. Donc, dans n'importe quel moment de ce processus, on peut avoir un problème, même si l'enfant n'a pas une déficience, n'est pas handicapé. Il faut faire la différence en difficulté d'apprentissage, c'est ce qui est au milieu, c'est à l'extérieur de l'enfant. Cela concerne la méthode de l'école, le rapport de l'enfant avec la maîtresse, le problème sociaux de l'enfant et le disturbe, donc le problème. Donc, dans la littérature plus spécifique, vous allez voir la distinction des deux termes. Mais donc le problème d'apprentissage, c'est un autre cas qui concerne la personne elle-même. Dans le problème d'apprentissage, il y a les problèmes qui sont spécifiques et pas. Quels sont les problèmes d'apprentissage spécifiques? La dyslexie, c'est un changement dans la lecture. Dysgraphie et dystographie, donc qui concerne les parties motrices de l'écrite, le trait de la lettre, enfin. Et vous avez donc ainsi le problème d'apprentissage qui n'est pas spécifique, c'est-à-dire l'enfant a une difficulté dans la lecture, mais elle n'est pas dyslexique. Elle a une difficulté de mathématiques, mais elle n'a pas le problème lié aux mathématiques. Donc ça, c'est important basiquement pour détecter le problème clinique. Et comme nous avons vu, comme les autres problèmes, disturbes qu'on a vus jusqu'à présent, donc le problème d'apprentissage est à des degrés différents. Nous pouvons avoir des enfants avec peu de difficultés, avec beaucoup de difficultés. Et cela va intervenir dans ce que nous allons faire quotidiennement. Donc, basiquement, pensons de notre enfant, de notre adolescent, dans l'église, dans la classe. Et nous avons besoin de faire attention afin de ne pas exposer ces enfants dans la lecture, ne pas demander à lire pendant la classe. Ou si on demande de la lire pendant la classe, donc il faut entraînement. Donc il faut demander à la mère afin qu'il puisse s'entraîner. Donc les peut faire de la même manière, c'est-à-dire en entraînant l'enfant ou en utilisant la réponse afin que cet enfant puisse participer avec la classe en général. Si elle est écrite, donc les activités principalement pour les enfants intermédiaire et adolescent, nous voyons qu'il existe déjà, qu'il doit écrire. Attention au moment de corriger l'orthographie parce que cela peut avoir des problèmes. Et
nous devons savoir comment faire afin de ne pas la constranger et pour ne pas la laisser avec l'autoestime trop basse. Et donc, nous pouvons utiliser des options de choix multiples. Donc, il y a des alternatives stratégiques que nous pouvons faire. Dans la prochaine étude, nous allons parler sur la dysfonction exécutive, qui a beaucoup de relations avec le problème d'apprentissage, ce que nous pouvons faire, d'adapter dans le jour le jour. Comme vous voyez, il n'y a pas une recette de gâteau que nous pouvons faire ici, vous donner un manuel pour cela. Non, c'est cas par cas. Donc, en fonction de l'enfant que vous avez devant vous, bah, prenez contact avec nous et nous allons vous aider. Accessibilité@presbyterio.org.br. Nous avons toute une équipe pour vous aider. La paix du Seigneur. Maintenant, c'est le monde d'apprendre à jouer des louanges au Seigneur, notre Dieu. Et la professeure Laïs va continuer l'enseignement de louanges quand je prie au Seigneur. Donc, vous savez déjà, prenez votre instrument et nous allons apprendre. La paix du Seigneur, enfants et adolescents, nous sommes très heureux d'être ensemble avec vous dans cette quatrième étude. Aujourd'hui, nous allons jouer la louange avec la main droite quand je prie le Seigneur. Mais maintenant, en lisant la partition, partition. La partition, c'est l'écriture universelle de n'importe quel pays où se trouvent nos frères, nos églises. Nous arrivons à lire parce que la clé de sol, c'est une clé de sol dans tout le monde. Et donc, le pentagramme aussi, cinq lignes, cinq espaces, n'importe quel endroit, le do, le ré, le mi. Nous avons fait la lecture relative dans deux dernières études. Maintenant, nous allons passer à la partition. Nous allons faire avec moi la main droite et après, nous allons faire l'accompagnement avec la main gauche. Nous allons faire la main droite. Do, ré, mi, lá, sol, ré, mi. Ré, mi, fá, fá, mi, ré. Sol, fá, fá, mi, ré. Fá, mi, ré, mi, fá, sol. Dó, dó, si, lá, sol, lá, dó, si. Dó, si, lá, sol, lá, sol, fá, mi. Lá, sol, fá, mi. Ré, mi, fá, mi, ré. Mi, fá, sol, fá, mi. Ré, mi, fá, mi. Et là, il y a quoi? Ritournello. Comme notre partition est riche en détails, c'est le vœu que vous reveniez dans un endroit, il y a un ritournello double qui retourne quand on va retrouver l'autre ici. Si vous ne retrouvez pas un autre, on revient au début. Donc ici, on revient. Et là, vous ne revenez pas à la case 1, parce que la case 1, c'est la première fois qu'on joue. Maintenant, on va à la case 2. Ré, mi, fa, mi, La case case 2. 2. Ré, c'est très important la main droite, toujours observer la doigté. Vous pouvez voir ici dans la partie précédente, la partition, que nous avons la doigté. Nous avons le doigt 1, le do, le doigt 5, la, le doigt 5, sol, le doigt 2. Ça, c'est très important parce que cela va donner une bonne mobilité à la main droite. Et comment on va faire la main gauche? Pour l'instant, nous allons faire la main gauche avec la basse. La basse, c'est la première note de l'accord. Donc, il y a le C, que vous savez que c'est le Do. La professeure vous a déjà dit, le C, on va faire avec le doigt 5, que c'est le Do. Et on va le retenir jusqu'au prochain accord.
le D. Et là, on va faire le doigt 4. Vous voyez? On va mettre la main ici, sur le piano, le doigt 5 au Do, le doigt 4 au Ré, et le doigt 3 au Mi, et le 2 au Fa, et le doigt 1 au Sol. Et là, on va faire l'accompagnement comme ça. On va faire. Vous pouvez reprendre. Sinto paz em meu coração. Sol. Sol. Ré. É tão sol. Sol. Dó. Isso. Repete o dó. Vous reprenez o dó. Celui qui sait faire la septième, vous pouvez faire le septième. Fá com dedo 2. Sol com dedo 1. Mi com dedo 3. Lá com dedo 1. A sua página. Pai por mim, posso em ré. Ré. Sol. Porque mi. Mi. Lá. Lá. Doa 1. Do. Ré avec le doigt 4. Sol avec le doigt 1. Do avec le doigt 5. Ritornello. Posso então. Sol. Do. Aí você faz o lá. Lá. Tudo bem fará pra mim. E lá on va finaliser. Aujourd'hui, nous avons entraîné la main gauche. Et la prochaine étude, on va entraîner les deux mains. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, de beaucoup d'entraînement, une semaine bénie, la paix du Seigneur, et à la prochaine étude. Maintenant, je veux m'adresser à vous qui êtes dans l'âge de classes des enfants, intermédiaires et adolescents. Vous avez déjà compris que tout ce que nous avons entendu et appris à l'église, aujourd'hui, dans l'étude des intermédiaires et adolescents, la professeure Andrea Canal va nous parler sur le parabole des noces et l'importance d'entendre et accepter l'invitation du Seigneur. La paix du Seigneur Jésus à tous, spécialement les enfants intermédiaires et adolescents. Nous avons étudié les paraboles du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons compter la parabole des noces. Le Seigneur a un grand enseignement pour nous. Nous allons lire la parole de Dieu tous ensemble. Le royaume des cieux est semblable à un certain roi qui a célébré les noces de son fils. Matthieu 22, 2. Nous venons de lire dans nos Bibles que Jésus a dit que le royaume des cieux est comme un roi qui a célébré les noces de son fils. Et vous savez ce qu'est noces? Donc, les noces, c'est une fête de mariage. Jésus a dit que le royaume des cieux est comme un roi qui a préparé une fête de mariage pour son fils.
Dans l'histoire de la parabole, le roi envoyait ses serviteurs appeler des invités. Cela s'est passé deux fois. Mais les personnes n'ont pas accepté l'invitation, n'ont pas voulu venir à la fête. Donc, une fois que les invités ont refusé l'invitation, le roi a donné un autre ordre à ses serviteurs. Maintenant, vous allez dans les rues et vous allez inviter tous que vous retrouvez. Et tel comme le roi a demandé, les serviteurs ont fait. Ils ont invité beaucoup. Ils ont réuni un grand groupe de personnes qui ont accepté l'invitation et la fête était remplie de gens. Des gens mauvais et des gens mauvais aussi. Bonnes aussi. Donc, mais certains n'étaient pas habillés de manière adéquate pour la fête de mariage. Mais le roi a donné nouveaux habits à tout le monde. Des habits nuptiaux qui étaient les vêtements adéquats pour la fête. Ils voulaient participer des noces. Ils étaient prêts pour recevoir le fiancé. Et en continuant la parabole, le roi, quand il est parti pour voir les invités, il a vu qu'un homme ne portait pas les habits de noces. Il a demandé, mais comment vous êtes entré ici sans les habits de noces? Et l'homme n'a rien répondu. Il a été muet. Mais il était nécessaire de porter les habits. Le roi a dit à ses serviteurs de l'enlever de la fête. Jésus a fini cette parabole en disant, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Nous allons donc comprendre ce que Jésus voulait nous enseigner avec cette parabole. De Dieu le Père, il a préparé l'éternité pour les noces, la fête de mariage pour le Fils, qui est Jésus. Les noces, c'est le moment où l'Église va se retrouver avec Jésus, le fiancé à l'éternité. Et qui sont les invités? Avec toutes les personnes ici dans ce monde, Dieu invite tous pour avoir la vie éternelle. Mais beaucoup rejettent l'appel de Dieu. Jésus a dit dans la parabole que les serviteurs de ce roi sont allés jusqu'aux noces et ont appelé à tous, dans les rues, et ont appelé à tous, bon ou mauvais. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu aime tous, peu importe le passé de l'homme, peu importe ce que l'homme a déjà fait. Si l'homme accepte l'appel de Dieu, il aura une nouvelle vie en Jésus. Personne va à un mariage habillé n'importe comment, n'est-ce pas? Tous s'habillent, mais dans cette fête, aucun invité était préoccupé à acheter des habits de noces, parce que le roi donnait des habits à tous. Et afin de participer à ce mariage, il a une seule condition, de porter les habits qu'il avait reçus du roi. Le royaume des cieux, ce n'est pas différent. Personne pourra entrer à l'éternité n'importe comment. Quand nous acceptons l'appel de Dieu, il nous donne les habits de salut. Un jour, Dieu le Père, il a donné son Fils pour mourir à la croix, pour nous donner des habits de salut. Vous vous appelez que dans la fête est arrivé un homme qui ne portait pas les habits de noces. Qu'est-ce qui s'est passé? Le père de la maison a demandé « Où sont tes habits ?» Et il n'a rien répondu, n'a rien dit. Donc, le roi a ordonné qu'on l'enlève de la fête. Les seuls habits que Dieu le Père va accepter pour participer de cette fête sont les habits du salut que Jésus a donné à tous ceux qui croient en lui. Donc, ça ne suffit pas de vouloir aller au ciel en portant d'autres habits. Il y a un seul sauveur, Jésus-Christ. Ce n'est pas la peine d'avoir un pied dans l'Église, un pied dans le monde. On va se rappeler que Dieu, il est amour, mais Dieu, il est jugement aussi. Exactement pour cela, Jésus a dit, beaucoup sont appelés, mais peu choisis. Beaucoup sont appelés, pourquoi? Parce que Dieu aime tous et invite tous pour le salut, mais choisis sont seulement les fidèles, ceux qui ont accepté l'invitation, ont abandonné la vieille vie de péché et sont restés fidèles. O convite está sendo feito para participar. Afin qu'on puisse participer de cette fête qui va se passer bientôt au ciel, nous allons accepter cette invitation pour te saluer, être fidèle jusqu'à la fin. Amen. La paix du Seigneur Jésus à tous.
Vous avez déjà connu le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. Nous avons reçu des dizaines de milliers d'appels le long de cette période de pandémie. Et à travers ce projet notable, vous pouvez avoir une expérience différente avec le Seigneur. Vous pouvez appeler toujours quand vous avez besoin sur le numéro qui apparaît à l'écran, 0800-707-376. L'appel est gratuit. Nous n'allons vous demander aucune contribution financière et vous allez recevoir une prière, une parole de la part du Seigneur Dieu. Pointez maintenant l'appareil photo de votre smartphone vers le QR code qui apparaît à côté du numéro. Votre appareil va être redirigé vers cet appel. Appelez maintenant si vous souhaitez. Je vous invite à accéder à nos réseaux sociaux et télécharger les applications de l'Église chrétienne Maranatha et de la Radio Manaïm. Écoutez des louanges et des messages publics 24 heures par jour. Partagez nos contenus avec les personnes que vous aimez. Accédez aussi au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube et ne ratez pas notre programmation. Une, c'est spécial, l'école publique dominicale tous les dimanches à 10h du matin au Brésil. Nous arrivons à la fin de cette édition de la promotion de la notion de l'Évangile éternel et la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons à nouveau ensemble. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.